Il peut arriver que vous rencontrez un partenaire, un ami dans la rue, qui peut-être est dans le même domaine que vous, et vous, lors de vos échanges, vous vous rendez compte que vous avez la même vision. Vous voyez que tous ensemble, vous devenez encore plus fort. À ce moment, vous décidez de faire ce qu'on appelle la fusion, vous fusionnez. Il peut aussi arriver que vous rencontrez, vous estimez que votre boîte peut-être à vous seul elle est très lourde et vous avez un ami qui vous propose, regarde, il faut que dorénavant j'achète même une partie ou bien il faut qu'on scinde ça. Et vous pouvez aussi opérer maintenant ce qu'on appelle la scission. Ce sont toujours des cas. La scission. Là, ça veut dire que vous êtes en train de partir de un, peut-être pour deux ou pour plusieurs. Par contre, la fusion, vous êtes en train de partir de deux ou de plusieurs à une seule. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'apport partiel d'actifs. L'apport partiel d'actifs, ceci, c'est toujours une forme de scission. L'apport partiel d'actifs, c'est toujours une forme de scission. Mais sauf qu'ici, on n'est pas en train de scinder toute l'entreprise. On est en train de scinder uniquement une branche d'activité qui fonctionne de façon autonome. C'est celle-là que vous êtes en train de dorénavant vous détacher d'elle. Pour dire que bon, je te donne cela.